Aujourd'hui dans la Minute Manga, on va parler de Soul Eater. Un manga où on retrouve Death the Kid, un de mes persos préférés de l'histoire du manga. Lui et ses armes. Enfin d'ailleurs, mais tous les personnages de ce manga sont vraiment trop bien. L'histoire est celle d'une école formant des ados à lutter contre des âmes damnées et dont les pires ennemis sont les sorcières. Très court synopsis, mais sachez juste que dans cette école, on retrouve deux types d'élèves, les meisters et les armes. Oui, car les armes sont des élèves, pouvant se transformer en flingue, en sabre ou même en faux. Ah, ça c'est le rêve ultime de chacun. Ainsi, chaque couple d'élèves, puisqu'ils vont par deux, vont devoir partir en mission et continuer leur formation à l'école. Mais ce qui est balèze, c'est que l'auteur ne nous a pas mis un ou deux personnages principaux, mais sept. Sept héros carrément, mais le plus fort, c'est qu'on arrive à suivre les sept sans souci, et pire, on arrive à tous les adorer. Même si de prime abord, certains sont détestables, voire même agaçants comme Blackstar, on arrive même à adorer des persos qu'on ne voit qu'une fois ou deux. Haha, Excalibur, mais je n'en dis pas plus. Le scénario, l'univers, le dessin, que dire de Soul Eater, 20 sur 20. Beaucoup ont ainsi comparé l'auteur à Tim Burton. Et en plus, l'humour est là, partout, tout le temps, il est omniprésent. Soul Eater, un blockbuster, mais aussi un chef-d'œuvre du manga.